Floride. Florida. Florida. Beaufort et on rentre là. Beaufort. Ah, Beaufort. Et on s'en va là à Sainte-Augustine. On dit bye bye à la Géorgie, même si on la voit pas. Bye bye au soleil. Sainte-Augustine, cette magnifique ville aux accents colonial espagnol. On en avait beaucoup entendu parler et eu que de bons commentaires. Mais c'est tellement plus joli en vrai. Est-ce que vous aimez Sainte-Augustine? C'est très joli. Très joli, Sainte-Augustine? C'est très joli, Sainte-Augustine. Ouais, est-ce que t'aimes Sainte-Augustine? Ouais, j'aime très Sainte-Augustine. Très joli, Sainte-Augustine. C'était magnifique, mais le temps peut tourner très vite. Un gros front froid est venu nous brasser pour quelques jours avec des rafales de vent de 50 nœuds. Une chance qu'on a des anges gardiens qui nous ont fortement conseillé de se mettre à l'abri au mooring de la marina. Les bateaux ancrés au nord et au sud du pont l'ont eu beaucoup plus difficile. Plusieurs ont chassé, ce qui a créé des dégâts. Reprends ses droits. Voilà, ça fait juste qu'on est un peu sous le coup de l'inondation. Pour les pluies diluviennes, qu'est-ce que ça va? Aujourd'hui, on a fait du mini-golf, du mini-pot. Là, c'est un vraiment beau mini-pot. Puis en plus, c'est juste à côté de la marina de nos amis qui sont là-bas, on le voit pas. Notre dinghy, il est là. C'est une très belle journée. Non, non, vous rêvez pas. Encore un dinghy mal accroché. Ça s'en vient une habitude pour notre capitaine. Faire une petite baignade ce matin. Fais-moi coucou, E.T. Non, tu m'aveugles. Trois minutes avant le lancement. Alors, 20 secondes. 20 secondes? Bientôt. Hey! Checkez ça! Caroline, regarde! Oui! Aïe! Oh non, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie! Aïe! Caroline! Check ça! Eh, mais c'est minus dans le ciel! Hé! Je jubile! Aïe! C'est tombé là! Hey, elle me passe au-dessus de la tête! C'est malade!
On dirait une grosse comète. Et une fois le capitaine remis de ses émotions, on est entré à Cap Canaveral, où on a été accueilli par la plus belle des faunes du coin. Bye bye Cap Canaveral. Bye bye croisière Disney. Là-bas, au bout de ce beau lac-là, on voit la petite une cabane là-bas. Ça, c'est la cabane Johnson Space Center. C'est ici qui démarre les navettes, mais nous on l'a vu en mer. C'était magnifique. Un super de bel ancrage. Pas beaucoup d'eau, mais c'est super calme. Pas beaucoup protégé, mais pour la nuit, c'était super. Je pense que Karine a besoin d'aide pour aller la voir. On est en Floride! Ma tête est explosée. Pour la suite de la descente floridienne, nous avons continué par l'intracostal. Nous avons passé à travers un cimetière de bateaux. Ça donne froid dans le dos. Commençait, puis là, ben, l'été n'a jamais fini. Fait que c'est un endless summer. Wow. C'est toujours l'été. C'est pour là, c'est pas beau? Montrer, c'est comme au Saguenay quand on va se beacher à Saint-Charles-de-Bourget, sur le bord de la plage à la Grèce. Regarde ça. Mais c'est à Jupiter Island, puis c'est juste un petit peu plus beau. C'est le paradis! C'est beau, hein? Allez! Ben oui, on va essayer. Arrivé à Jupiter Inlet, on s'est enfin senti vraiment en vacances. Il y régnait une ambiance festive, puis on sentait vraiment la vague de la forêt. Belle journée de mer.
Bonne journée. Bonne journée. Petit break d'une semaine ou deux. Dès qu'on est prêt, on s'en va au Bahamas. Yes. On a finalement jeté l'ancre à Lake Worth, juste à côté de nos voisins bien spéciaux, de grands et gros voisins. Disons qu'ils sont disproportionnés ici. C'est vraiment de la démesure. On devait rester ici une semaine ou deux, mais on a dû prolonger notre séjour. Et ça, on vous le garde pour le prochain épisode! Vois comme c'est beau le Québec!